Le 18 juin dernier, Arthur dévoilait sur Instagram s'être blessé au bras. Si bien qu'il doit désormais porter un plâtre. Le mercredi 5 juillet, l'animateur s'est confié sur sa blessure et sa compagne Maréva Galanté s'est empressée de lui apporter son soutien. La saison estivale commence très mal pour Arthur. L'animateur télé, qui a fait son retour sur TF1 avec l'émission The Hill, est apparu le bras dans le plâtre le dimanche 18 juin dernier. Sous une photo de lui et de sa blessure, il confiait, « Ça va être long 6 semaines sans bras droit. » Dans la suite de son message, il ironisait sur la situation. Article 22, chacun fait ce qu'il veut. Article 23, pas de bras, pas de Kémia. Assortiment d'amuse-bouche, note de la rédaction. Moins de 3 semaines plus tard, l'animateur phare de la première chaîne s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire un point sur la situation délicate dans laquelle il se trouve. Arthur ne peut plus se servir de son bras droit, il devient gaucher pendant quelques temps ce mercredi 6 juillet. Arthur a pris la parole pour parler de son quotidien perturbé par sa blessure au bras. Le petit point d'étape après 3 semaines sous attelle. Je découvre que le monde actuel n'est pas pour les gauchers. J'ai décidé de soutenir chaleureusement tous les gauchers de la planète, déclare celui qui ne peut plus se servir de son bras droit. Il ajoute, « Je découvre que rien n'est prévu pour les gauchers, que ce soit les mitigeurs dans une salle de bain, les poignets, les tasses de café. Ce monde n'est pas fait pour les gauchers. Je ne le savais pas. Je ne dis pas que si est quelque chose de majeur, mais j'ai décidé de soutenir tous les gauchers du monde. » Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa femme Maréva Galanté pour l'aider dans cette période difficile, d'autant plus qu'elle est gauchère, « Bienvenue dans ma vie », a-t-elle commenté. Linda Hardy s'est-elle aussi sentie concernée, « Bienvenue dans ma vie aussi ». Il s'était également blessé sur le tournage de The Hill. Décidément, Arthur enchaîne les soucis ces derniers mois. Alors que son jeu The Hill a terminé sa diffusion sur TF1 la semaine dernière, il nous expliquait lors d'un entretien s'être blessé sur le plateau. Le premier jour du tournage, j'avais la tête qui tournait un peu et la sensation d'avoir été sur un bateau. Pourtant, je suis le seul qui ne tourne pas sur le plateau, les 7 célébrités, assises sur un fauteuil virevoltent comme sur un manège, note de la rédaction, mais il y a un écran qui en donne l'illusion. Je me suis même pris une très jolie gamelle en voulant descendre de la partie qui tourne et je me suis ouvert le genou, a-t-il confié.